ces jeunes filles d'aujourd'hui qui font le coup au BBL, c'est-à-dire la chirurgie esthétique, elles sont jeunes, hein? Elles n'ont même pas un certain âge. C'est quoi le but? Quel est le projet qu'elles ont? Aucun projet. Mm-hmm. C'est juste un projet. Elles ont l'intention de se prostituer pour certaines. Voilà. D'augmenter le prix de lait djandjuya, ça c'est clair. Parce que... Augmenter le prix de lait djandjuya. Oui, je le dis, je l'assume. Parce que oui. Tu as parlé de jeune fille. Oui, quand jeune tu prends fille. Une jeune fille qui n'a même pas encore fait un enfant, qui s'en va faire BBL, oui. Qui revient là. Uh-huh. Le but là. Selon le toi, projet, quel est le projet? Au moins, tu me parles d'une femme qui a fait ses enfants, 5 enfants, qui trouve qu'elle n'est plus belle, qui veut se refaire une santé. Oui. Moi, je peux comprendre. Okay. Mais quand tu prends une jeune fille qui n'a même pas fait d'enfants, et puis tu ne sais même pas encore ce qui t'attend devant, quelles sont tes maladies, tu t'en subis une opération aussi lourde, mm-hmm. tu souffres dans ton âme. Mais le résultat, tu dois rentabiliser. Parce mm-hmm. qu'elle va porter son collant dans fait ça là, mm-hmm. elle va avoir beaucoup de gens qui vont l'appeler. Donc, ça appelle à la clientèle. Mais ça appelle à la clientèle. Elles le disent. Mm-hmm. Il y a une qui a fait, elle a dit sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Elles le disent. Mais c'est comme vous ne voulez pas ouvrir les yeux, c'est ça. Vous pensez que non, elles sont libres, ce sont des femmes, elles ont leur argent, elles font ce qu'elles veulent. Oui, elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, du moment où tu ne fais pas la publicité, il n'y a pas de problème. Okay. Mais quand tu fais et puis tu viens faire la publicité, ça devient de la publicité pour que tu en savais. Il y a une qui a fait ça, ils ont invité une émission. Dès qu'elle a fini de parler dans l'émission, les autres ont eu le courage pour aller faire ça. Aujourd'hui, tu prends une jeune fille. Tu la vois, elle roule dans une voiture de 40 millions. Mm-hmm. Sérieusement. Nous, on travaille. Oui. On sait qu'on travaille. Mais tu vois, nos voitures, on roule dedans. C'est des voitures modestes. Mais quand tu vois une voiture, c'est un garçon qui lui a donné ça. Mais un garçon va te donner une voiture de 40 millions. Là. Mm-hmm. En échange de quoi? Tu n'es pas Mami Wata. Donc, il y a des évidences. Vous les voyez nombreuses. Il y a d'autres qui ont fait Miss une fois. Elles sont devenues riches deux fois. Dès qu'elles font Miss, elles deviennent riches. Peut-être que Miss Côte d'Ivoire, on va mettre ça dans le projet emploi jeune. Franchement. Parce que ça permet à beaucoup de sortir de la pauvreté. Fa, fa.